I would like to dedicate this video to two fellow, my fellow New Yorker from Manhattan, actually he lives in the Bronx now, Action Kid. Go on YouTube, make Action Kid, he did greater and better video than mine. What is this? Yes, the pump on McTavish that goes up to the Montreal, actually. Alors oui, Montréal, c'est en français. Alors, I dedicate that video to my fellow New Yorker, Action Kid, and also the Franglish Retro School. So go on YouTube if you'd like transportation, emergency type response video. Go to Retro School on YouTube, and if you like to explore New York like no one else have done before, Action Kid, both on YouTube. Et pour moi, ben, en tant que jeune ange, je ne fais qu'une expérience. Je vous amène marcher avec moi dans un de mes parcours préférés. Patience, patience, mon ami. Salopard. Eh oui, c'est l'authenticité, c'est live. Tu sais, t'as le bonhomme pour traverser, puis là, il y a qui pèse sur son gaz, dépendant de char affectif de merde. Alors voilà, je vais vous m'accompagner sur la rue Sherbrooke-Ouest. On va arriver dans le quartier des musées. Secteur de l'Université McGill, de l'École des hôtels de business. Une expérience comme ça. C'est ce qu'on appelle un walk-through, un walking video. On va traverser du côté nord de Sherbrooke, justement, ici. Voilà. Donc, c'est le quartier Ville-Marie, centre-ville de Montréal. On va arriver dans le quartier des musées. On est en flanc du Mont-Royal. Puis d'ailleurs, l'Université du Québec à Montréal fait souvent des tours ici pour vous montrer une part de géologie. On voit ici au coin de Stanley et Sherbrooke le Mont-Royal Club. C'était un club privé, un club de sages, imaginez. On pouvait donc, comme je vous l'ai dit, on était en flanc du Mont-Royal. Donc, de l'autre côté de cette maison qui était l'entrée principale ici, il y avait des gens qui se préparaient pour faire de la chasse à la cour à Montréal. Et ça fait pas 300 ans, là. On parle du 18e, 19e siècle. Eh oui, de la chasse à la cour, imaginez, là maintenant c'est le centre-ville, avec des condos, des blocs appartements, du béton. Mais c'est très très beau, j'aime beaucoup marcher dans ce secteur rempli de poids. C'est quand même encore très naturel, on n'aurait pas ça à Manhattan, en plein cœur de Manhattan, autant de verdure. Ici on a la maison Louis-Joseph Forget. Eh oui. Et puis, pour ceux qui se gargarisent avec le Milam, eh bien, justement, on est dans le Golden Square Mile, ici. Donc, tout ce qui est le tour du flanc de montagne et le Milam, c'est tout simplement la fin. C'est tout simplement la fin de ce Golden Square Mile, le Mile End. Pour ceux qui sont pas en anglais, la maison Reed Wilson, ici. Donc, c'était les gens les plus riches au 18e siècle, je crois. C'était à vérifier. Parce que, voilà. On va laisser le trafic passer. Stabiliser la caméra. Parce qu'une erreur, je n'ai pas mon stabilisateur. Je fais ça à mes nues. Expérimentation. Donc, on a, à mon avis, ici, au point de Sherbrooke et Drummond,
Ah, je peux pas dézoomer. Oh. C'est l'hôtel Ritz-Carlton. À mon avis, un des plus beaux hôtels de Montréal, avec un des rares salons coutés. L'hôtel qui peut-être fait aussi maintenant partie. Vous avez ici très Park Avenue West, Tillich, New York, Manhattan, des années 10 et 20, le bloc appartement à louer à partir de 3 750 $ pour un 1,5. L'Acadia. C'est tout de même très beau et c'est quasiment toujours complet. Donc, il y a pas mal de gens quand même un peu riches à Montréal. J'entendais une vendeuse l'autre jour me dire « Ah, moi, je vais aller à Toronto. » Puis elle ne parle pas anglais, tu sais. Une maghrébine qui ne parle pas anglais, qui veut aller à Toronto parce que vraiment qu'à Toronto, ils sont plus riches. Ah bon. À voir. On va peut-être apprendre de l'anglais rapidement, je ne sais pas. J'avais longtemps un projet de... Je vous ai dit, le Richard Bouxy est en flanc de montagne. Et c'est ce qu'on appelait le Golden Square Mile, qui partait de Westmount jusqu'au Mile End actuel, dans le plateau Mont-Royal. Et le Mile End s'appelle la Mile End, la fin du mille. Ah oui, la boutique au Guide Vie, fermée en rénovation depuis 3 ans. On se demande si elle va ouvrir. On est rendu sur de la montagne, justement. Donc, juste en haut, là, je ne peux pas zoomer, parce que j'ai les mains pleines. Mais c'est le fameux belvédère du chalet. Là, ça se descend jusque dans Griffintown. Un autre bloc appartement à louer dans les 3 à 5 000 $ par mois. Souvent que c'est des gens même qui ne sont pas citoyens ici. Leurs parents ou... J'ai déjà fréquenté une demoiselle qui habitait ici, c'était son père qui lui payait ça plutôt qu'une chambre à l'université McGill. C'était il y a 15 ans. Hein? Un clin d'œil pour Retro School. En Retro School, si je peux mettre ça sur YouTube, celui-là, c'est pour toi. Et allez voir cette vidéo. Intéressant, puisque le transport et les réponses des gens ici. L'ange déchu est déchiré. On est au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est un des pavillons des Desmarais, je pense. Celui-là, c'est un bronze de Fonderie et d'Evenesse Québec. Ancienne église avec les rares gargouilles de Montréal, d'ailleurs. Notre ami Cohen. Ouais, c'est Crescent. On est au bout de Crescent. Notre ami Leonard Cohen, qu'on salue. Everybody knows. Continuons notre marche jusqu'à Westmount Atwater. Nous sommes donc maintenant officiellement dans le quartier des musées de Ville-Marie, ouest, centre-ville de Montréal. Vidéo-vlog expérimental en l'honneur de mon ami new-yorkais Action Kid et de mon ami québécois montréalais
Tantôt, c'était... Tantôt, c'était la police. Maintenant, c'est... Imaginons, on est dans un pseudo-confinement et c'est jamais sur Sherbrooke West. C'est la révolution! Partagez cette vidéo-là vos amis français qui voient c'est quoi l'action d'un centre-ville en semi-confinement, en semi-condition sur la rue Sherbrooke, une des plus grandes artères. C'est l'équivalent de la 5e avenue à New York. Donc, c'est une boutique chère et c'est le musée. Évidemment, la présence autochtone. Je sais même plus quoi dire avec ça hier parce que... Ah oui, le cinéma du musée qui était en bas de côté. Voilà, on va voir les yeux sur la rue. Les édifices au loin, là-bas. Donc, au bout, la rue Bishop. Ça, c'est à René Lévesque. C'est les condos Yule. Vous êtes au sous-sol. Je parle d'un 410 pieds carrés. Je ne sais pas, en mètres carrés, ça peut faire quoi? C'est quoi? Peut-être quoi? 110 mètres carrés. Là, ça commence à 310 000 $. Les condos Yule, il y aura trois tours comme ça. Là, on n'en voit qu'une seule. Je ne sais pas à combien ils sont rendus pour leur surdéveloppement. Là, tout le monde se dit, ah oui, le COVID, c'est un ralentissement, mais ils ont... Puis il y a beaucoup d'édifices qui ont seulement dans la réorganisation. Bon, tu vas te barrer, mais je sais pas pourquoi. Ça, c'est drôle, c'est un des édifices qui n'est pas très beau structurellement, mais qui est le plus pris en photo, semblerait. Surtout avec différents éclairages. Vous êtes des gens qui sont dans un constant artistique avec le cubisme, les lignes, les parallèles, sauront me dire dans le commentaire. Pourquoi l'édifice Port-Royal du 1455 Sherbrooke West est fréquemment pris en photo. Je pense que là, on va marcher jusqu'au temple franc-maçonnique. Et puis, je vais arrêter là. J'avais dit jusqu'à Twater, mais c'est plus fatigant que je pensais sans le stabilisateur. Là, je vois des gens rentrer, mais je vois pas vos noms. Alors, bonjour aux auditeurs qui font cette expérience avec moi de marcher au centre-ville de Montréal, en direct. La rue Simpson, je ne sais pas si c'est en ordre du magasin du même nom, qui n'existe plus. Oui, le restaurant El Talib, avec un arbre dedans, je vais vous le montrer à Tom. Regardez, super restaurant, d'ailleurs, c'est une très bonne table. Je crois que c'est libanais. Donc, l'arbre est carrément dans la salle à manger. Ils l'ont gardé. Je l'ai mangé là une ou deux fois et c'est très bon. Moi, c'est vraiment un de mes secteurs préférés de l'ouest du centre-ville. C'est beau, c'est frais, c'est... On arrive à Guy Concordia qui devient le chemin de la Côte-des-Neiges, qui monte donc dans le quartier Côte-des-Neiges, avec l'hôpital général. L'hôpital le plus occupé du centre-ville, du jeudi au dimanche soir, avec les bagarres de bar. À la Saint-Patrick, je ne vous pose pas une blague, là. À la Saint-Patrick, il faut rentrer deux chiffres de plus pour la nuit. Bonjour, Josk. On ne voit pas les noms que vous affichez, on voit les noms de votre arrobase. Et puis, je ne connais pas tout le monde de mes 473 abonnés. I don't even know if you understand my French right now. So, there you have it.
faut se faire voir, dit-il. Ah, voilà, l'hôpital général qui est en haut là-bas. Et puis Guy qui va devenir... dans le temps qu'on bâtissait des choses belles et esthétiques. Pas la scrap monolithique, homogénique aujourd'hui. Alors tantôt, plus au centre-ville... Ah oui, c'est qui veut dessiner la cuisine perse. Et j'insiste parce qu'ils ont dit eux-mêmes perse quand j'avais été. Chez des pizzas ici, bien, bien spéciales. Chez, si je prononce bien, c'est Heilach. On avait passé un très beau moment là-bas. Avant la destruction de l'ancien monde. Alors, vous voyez, réservé. Une voiture. On espère que c'était réservé pour lui. Sinon... ça va lui coûter cher. Alors, c'est ici, ça c'est intéressant. On a les vieilles édifices du 18e, 19e siècle. C'est un peu du 19e, ouais, c'est 1800 quoi, ça. Et puis en haut, la merde, le temps moderne. L'hôtel Le Méridien qui subsiste encore. Je n'ai pas trop parlé à mes collègues dans l'hôtellerie ici au Québec. Au Mexique, ils m'ont dit qu'ils sont à 30%. En fait, ils permettent jusqu'à 30% de... Oui, la fameuse rue Saint-Mathieu, on rentre dans les versets. On va voir Saint-Mathieu et Saint-Marc pour les religieux d'entre vous. Alors, quand on marche ici, il faut lire des versets. On a le château Versailles, petit hôtel. Oui, c'est ça. Donc, au Mexique, ils ont droit à jusqu'à 30% d'occupation selon les règles de restriction sanitaire. Et puis, on dit que c'est entre 15 et 20% seulement qui est occupé de toute façon, imaginez. Donc, la moitié de ce qui resterait. Donc, le gouvernement a l'air généreux. Donc, des collègues me disaient que dans tous les Antilles, il y a masse, Saint-Martin qui était en reconstruction en plus. Martin qui était en reconstruction en plus, donc voyez, il faut être courtois dans la vie, c'est passé. Respecter la distanciation et ne pas la fumer. Ah ben voilà, on arrive au temple des francs-maçons, qui est en face du Collège de Montréal, qui est la plus vieille école française en Amérique du Nord. Le Collège de Montréal est le plus vieil établissement scolaire de l'Amérique du Nord, et je ne parle pas de l'Amérique du Nord britannique. Alors ici, ça c'est intéressant. C'est la fin du quartier du musée. Et on rentre dans le quartier que moi j'appelle religieux, avec le temple des francs-maçons, la loge maçonnique. Et si vous ne me croyez pas, laissez-moi un instant. Alors, je vais peut-être mettre ça ici. Voilà. Masonic Memorial Temple. Une des plus grandes loges du Québec qui est ici. En face du Collège de Montréal, je répète, le Collège de Montréal sur Sherbrooke-Ouest. Qui est l'institution d'enseignement française la plus ancienne d'Amérique du Nord. On va tout montrer ça. On aura peut-être le meilleur. Alors, pour ceux qui ne croient pas, voilà la loge du Québec. Une loge mixte. Même que si on y revient à un moment donné, vous pourrez voir Stephen Harper a mis une plaque commémorative avec une subvention à la loge maçonnique de Montréal. Comme vous voyez ici, j'ai un langage objectif. Alors ça, c'est la muraille du Collège de Montréal. Je crois, oui, c'est le Collège de Montréal. Donc, sur le terrain des Sulpiciens, si je ne me trompe pas. Ah, regardez. Juste pour les conspirationnistes, les vrais conspirationnistes d'entre vous, là. Hein? Lumière sur les francs-maçons.
On met de la lumière sur les fronts de la forme. Incroyable, hein? J'espère que... C'est toujours difficile de récupérer un vidéo périscope. Résidence traversée, encore une fois, des loyers dans les 4 à 5 000 $ par mois pour un studio. Le luxe bien pensé. De 150 ans, vous voyez ce que je vous disais? On va le revoir de son entrée dans le Collège de Montréal. Puis vieil enseignement. Plus vieille institution d'enseignement en Amérique, en français. Fondée en 1767. Et voilà. Donc, se situe au 1931 de la rue Sherbrooke-Ouest. Et on est au domaine du phare de la montagne. Puis, j'avais dit jusqu'ici, mais finalement, c'est bien intéressant. On va continuer notre marche, si vous voulez bien. Alors, voilà. Le Collège de Montréal. Se prépare à sa rentrée sans masque. Oui, oui. Nous n'avons pas de masque, c'est limite. Bonjour. Vous voyez pourquoi que ça brasse? J'ai pas mon stabilisateur. Jazz marketing communication. Bureau moderne. Vraiment fin milieu des années 60. Le flower power. Puis, fait intéressant, on arrive au l'archidiocèse de Montréal. Donc, c'est quand même intéressant. On a le temple franc-maçonnique tout là-bas. Et là, on a l'archidiocèse de Montréal, la chevêché de Montréal. Et c'est au 2000 de Sherbrooke-Ouest. Et puis, ici, je crois que c'est la vieille aile de l'école. Et c'est la tour de Sulpicien-Saint, j'avais donc raison. La tour d'un des phares, c'est pour ça qu'on a la rue du phare. Je suis trop zoomé, là, ça va pas dézoomer de tantôt, c'est ça qui se passe. Ah, merde. Que bon, commence. Je pense qu'on a un débile mental de l'autre côté qui fait semblant de me filmer. Est-ce que tu veux passer à la télé, connard? Ah, viens me le dire ici, connard! Enculé! C'est ça, Montréal. Le vieux débile. Le grand séminaire. On forme des prêtres ici encore aujourd'hui. Et la plupart sont asiatiques. Alors, si vous venez, c'est gratuit. C'est généralement ouvert. Et on peut... Ouais, on fait même des tags de gangs de rue. C'est incroyable. Hein? Le tour de la montagne. Le test militaire ou agriculture. Pense physique. Où est-ce qu'il est rendu, mon vieux débile? Je faisais le geste de me fusiller avec son téléphone. Comme si on a mis sa vie privée en danger. Ah, la maladie mentale. Est-ce vraiment une maladie mentale ou c'est une question de perception? Alors, c'est quand même intéressant que des grandes institutions catholiques comme l'archidiocèse, le grand séminaire, soient à côté du plus important temple franc-maçonnique de l'Amérique du Nord, de la Loge de Montréal, de la Grande Loge de Québec. Puis quand je vous disais ici, quand il y a plus de mouvements, c'est surtout des Asiatiques et des Africains qui viennent se faire former ici. Et sûrement aussi des Latinos, mais je vois souvent des jeunes... Parle de pauvre monsieur là, qui était frustré parce que je suis filmé. D'ailleurs, Retro School, you'll tell me about it. On va faire un petit peu. D'ailleurs,
aussi que ma mère venait. Ma mère, là, c'est depuis 15 mois qu'elle a quitté la terre. Là, je vois cette dame qui se recueille, donc je me suis fermé la gueule pour la laisser se recueillir. Je l'ai pas filmé parce que je respecte la vie privée des gens. Contrairement à ce que la personne qui semblait avoir une certaine condition d'intolérance n'a pas tant. Et puis d'ailleurs, ici, vous avez un magnifique parc secret derrière. Bon, là, il est tout secret, je viens de vous le dire. Donc, on est sur de la rue Chomédé, qui croise de Maisonneuve, d'après vous. Ceux qui sont bons en histoire. Ça, on est toujours sur Sherbrooke. Et on approche de la frontière avec Westmount. Donc, je vous avais dit que je vous amènerais à Atwater. Après, je m'étais révisé. Disant, je vais vous amener... vous amener à la loge. À partir de la loge, j'ai dit, ben ouais, c'est vrai, il y a quand même d'autres monuments. Et puis, ces édifices à logement-là, un peu moins cher, on est dans 2000-2500. Et puis, chauffé au chaud. Ces édifices Adam Hall, je les ai souvent convoité, surtout quand j'avais mon bureau à côté ici sur. Dutchester par Westmount. Alors, Roger Lange, qui fait une expérimentation en hommage à mes deux Walking Video Master, Action Kid in Manhattan, and Retro School ici à Montréal. Le Retro School, il fait tout ce qui a lien au transport et à l'urbanité. Alors, on te salue. C'est un peu pour ça que je fais ça, c'est à cause de vous deux. Un avion. Ça fait du bien de revoir des avions massifs. Et puis en plus, comme première expérimentation, je l'ai fait sur Periscope, peut-être une erreur. J'aurais peut-être pas dû le filmer en direct, surtout qu'il y a personne. Et je fais un petit pas, peut-être pas un montage des séquences, mais en tout cas, on va essayer de le récupérer, comme j'ai dit. Je suis un gars très high-tech. Et puis, on a de la difficulté. J'ai de la difficulté à. Récupérer les vidéos que je mets sur Periscope et j'ai remarqué qu'on peut pas les supprimer après. Donc attention à vous tous, n'importe qui. Vous feriez des directs sur Periscope / Twitter. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé la façon, même sur le web, de les éliminer. D'ailleurs, les supprimer une fois l'audio. Et puis c'est un genre de compte à part, Periscope, qui est lié directement à votre compte Twitter. Mais je trouve que Darcy a rendu ça compliqué. Comme si ça évolue à moitié. Donc, on atteint Atwater et, comme je vous ai dit, après le quartier des musées, c'est le quartier des religieux. On avait la temple franc-maçonnique, on avait le collège de Montréal, le grand séminaire, de l'archidiocèse. Et là, on a le siège social de la congrégation Notre-Dame, qui est propriétaire, entre autres, de la plus vieille maison d'Amérique du Nord, la maison Saint-Gabriel dans Pointe-Saint-Charles. Alors, quand je vous disais, hein. Et puis là, on est vraiment à la fin de Ville-Marie-Ouest. Et ça, c'est en arrière de l'ancien Forum de Montréal, le Temple des Canadiens. Enfin, ici, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, j'ai oublié. Je crois que maintenant, c'est des condos. Alors, ouais, il n'y a plus rien de marqué. Et puis l'autre côté d'Atwater. C'est le Lower Westmount ou le Victoria Village avec la magnifique rue Green. Mais cela sera pour une autre vidéo. Car là, c'est terminé. Alors, vous allez sûrement regarder ça. En différé. Et je pense que ça va valoir la peine que je me batte avec le downloader que j'ai à moi. À chaque fois, je réussis, mais c'est toujours compliqué. Et puis, on va remettre ça pour honorer Action Kid in Manhattan et Retro School, encore une fois. Je vous salue, c'était Agile Lounge dans un non-agile... clin d'œil à mon coach marketing, c'était un non-agile vidéo. Mais évidemment, éventuellement, je vais me concentrer à faire 80% de contenu le contenu en ce qui a part aux transformations numériques et à l'agilité d'entreprise.
Voilà. Sur ce, Agile Lounge, Coach F, Saint-Raph, bon mardi.